Karen a marqué hier lors de la victoire du Club de Bruges face au Cercle de Bruges. Donc c'était le derby de Bruges. Donc Club de Bruges, moi, Club de Bruges actuellement, ils sont leaders incontestables. Donc ils vont être champions par là. Force donc Karen a marqué à la 59 e minute de jeu. Hans Vanaken, le capitaine, m'a dit que le 39 e avant que... Kylian Azar, le frère cadet de Eden Azar et de Torgan Azar, réduisent l'écart. Donc, Guisane, a porté son total à 7 réalisations. Donc, 7 buts en championnat cette saison. Donc, vraiment, Kérépé c'est un des cadres, c'est un des meilleurs du club de Bruges cette saison. Donc, coupe Ufoa à Dame. Donc, après les Lions qui ont remporté la coupe IFOA. Donc homme avec les hommes de Ufa le Sénégal écrie le Mali et remporte le tournoi donc Sénégal mo gagnant digen ni Sénégal gagné gagner coupe Ufa donc ça veut dire que pour le football de manière générale dans la zone donc Sénégal amul Le Sénégal à des... Soil, à mon côté, l'a côté c'est coupe d'Afrique des nations nous et Habib donc nous dougal les buts de l'équipe de Mamoussa si c'est donc Felssation à nos chers Lyon qui remporte la coupe IFOA, à donc du côté des dames Très mauvaise nouvelle pour Prosper Mendy. Donc, vraiment, ça, ce qu'on appelle la tuile ou bien la poisse, la malchance. Donc, jeudi dernier, Prosper Mendy, 23 ans, a été opéré d'une blessure au ligament croise. Donc, Prosper Mendy, il est postulé pour les Lions du Sénégal. Vraiment, il est. Mal barré. Pour les 9 à 12 prochains mois, Prosper Mendy risque de ne pas jouer au football. Donc, 20, 23 ans, le franco-sénégalais qui a été pissé par l'OM et par l'Olympique lyonnais. Donc, vraiment, a eu la malchance. Donc, Mendy va entamer maintenant sa rééducation. Il doit s'attendre à une phase d'entraînement de 9 à 12 mois. Alors, le directeur du club nord voir Eric Dac notre scène Donc, là vraiment, c'est difficile pour Prosper Mendy qui était dans le viseur de l'équipe nationale du Sénégal et surtout de aluser cette blessure est un coup dur pour le natif de Paris donc nous Nkanyarang Muiregdiam Prosper Mendi qui était pressenti pour être sélectionné en équipe nationale du Sénégal ce qu'on appelle la poisse ou bien la malchance Prosper Mendi jam donc pour la préparation de la CAN U17 donc un stade de préparation a été donc mis en place par Malik Daf donc convenant 33 jours pour un stade de préparation du 9 au 13 mars le Toubab Djalao, donc vraiment c'est le très haut niveau avec Malik Daf qui va donc sélectionner ces joueurs pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations U17, donc au entraînement avec oui, Am, stage de prépa Am, au centre Excellence de la Fédération 6 à Gireo, Gireo le Toubab Djalao, mais Gireo le donc voici les 33 joueurs, donc Talibou Hayar, Fall, Académie Mawar Wad de Dakar, Benjamin. Tchom Ban, donc Daga Sakrke, Alim Badar Diop, Jamba, Matar Fay, Génération Foot, Momodou, Djan, Diallo, donc Djambar, Modou Diouf, Nangan FC, Kaolak, Abdurrahman Mane, Galaxy, Amrou Tijan Ndaw, Jambar, Pape Samba Kamara, Nangan, Philippe Sekensa, US Gore, Pape Sulaiman, Samba, Djaraf Dakar, Famadi Traoré, Génération Foot, Samba, Jatara, Jamba, Pape Matar, Ndiaye, jamba cheikh ahmadu bamba mbay akademi mawa Idrissa waɗ idrisa burdowa galaxy fulajalor daga sagre gagar serine saurin fai Generation foot Momadou sow tangayi fc malik sanya Tengkej FC fs babakacca US gora Momadou gai darussalam majal Sen darussalam alim badara john FC Idrissa idrisa Jaya, jamba Maud Lamine Sonko, Dakar Sacré-Cœur, Ibrahim Ophal, Dakar Sacré-Cœur, Sané, Génération Foot, Tchernobari, Bari, Académie Mawadwad, Malin Mandian, mm. Galaxy, Amidou Diop, Génération Foot, Abou Bakar, Lukubar, Darussalam, El Malik Diouf, Galaxy FC. Donc, l'olmoy les joueurs qui ont été convoqués par Malik Daf pour le stade de préparation de la Cannes.